Horoscope Cancer du 27 juillet 2023. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. Si vous êtes encore un pauvre cœur solitaire, la planète Vénus accroîtra votre charme personnel, et vous n'aurez aucun mal à vous rendre sympathique. Profitez de l'aubaine pour décrocher un partenaire. D'autre part, Vénus, la déesse de l'amour, prendra sous sa protection le secteur de votre thème lié à l'amour conjugal. C'est dire si votre vie à deux a des chances de se dérouler sous de bons auspices. Horoscope Argent. Trois astres influençant le secteur argent pourront par moments vous jouer des tours. Vous aurez donc intérêt à rester vigilant et à ne pas vous lancer dans des dépenses trop importantes. Si vous vous montrez raisonnable, Saturne vous inclinera à rééquilibrer votre budget, voire à vous lancer dans des investissements rentables. Horoscope Santé. Vous serez en très bonne forme physique et psychique. Tous ceux d'entre vous qui ont connu dernièrement des ennuis de santé vont voir le bout du tunnel. Vos défenses immunitaires remonteront en flèche, et vous ne serez plus, comme par le passé, la cible privilégiée des virus et des microbes. Ceux d'entre vous qui souffrent d'une maladie chronique vont voir leur état se stabiliser ou même s'améliorer grâce, sans doute, à l'adoption d'un nouveau traitement ou à de récentes découvertes scientifiques concernant leur maladie ou une maladie proche. Horoscope Travail. Un flux positif pour votre travail. Vous aurez toute l'énergie nécessaire pour faire face à vos obligations. Un brin d'optimisme en plus, et tout marchera à la perfection. Mais ne vous surmenez pas. Horoscope Famille. La journée sera délicate. Un problème familial pourrait vous perturber et vous obliger à vous remettre en question. Mais grâce au bon influx de Mercure, vous finirez par vous retomber sur vos pieds avec une formidable aisance. Horoscope Vie Sociale. Pensez que esperluette cote. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié, et les grands cadeaux entretiennent l'amour esperluette cote. Proverbe français. Le moment est venu de gâter quelqu'un qui vous aime et qui ne vous refuse rien.